pense qu'avant même de savoir ce que signifiait le terme mathématiques, j'avais envie de faire des mathématiques. Alors pourquoi, je ne sais pas, probablement parce que je suis la dernière d'une fratrie de cinq enfants, et avec un grand écart avec mes frères et sœurs, je devais les entendre parler de faire leurs devoirs, je devais les entendre parler de maths, et c'est quelque chose qui me fascinait dès mon plus jeune âge. Et ensuite, au collège, au lycée, ça a continué de me fasciner. Ça se passait bien en maths et j'avais envie de faire des maths, mais je pense qu'au lycée, là à nouveau, je ne savais pas ce qu'on pouvait faire avec les maths. Donc quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, c'était prof de maths. Ça a été ça au collège et au lycée, jusqu'au début d'ailleurs des années post-bac, hein, en prépa et puis même en licence. L'intention, c'était d'être prof de maths parce que ça m'amusait. C'était voilà, le côté construction qu'on peut faire avec les mathématiques, le côté raisonnement, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup et donc je voulais faire des maths. C'est qu'après, en fait, une fois que j'ai commencé la thèse, que je me suis dit que finalement, faire de la recherche en maths, c'était bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce qu'était la recherche en mathématiques. Donc j'ai découvert ça très très tard et puis j'y suis toujours. En fait, dans ma famille, il n'y a aucune personne qui est enseignante, ni ne fait des mathématiques. Donc, c'était une discipline complètement inconnue pour l'ensemble de la famille, on va dire. Et voilà, mais c'est vrai que c'était un petit peu plus scientifique, mais il n'y a aucun enseignant-chercheur, aucun chercheur dans ma famille. Donc, c'était une voie un peu nouvelle pour toute la famille. Si j'ai choisi une autre voie, je pense probablement que ça aurait été l'enseignement. Même si actuellement je n'enseigne pas ou très peu, pendant très longtemps, ça a été le chemin que je m'étais tracé. Je voulais être enseignante. Si c'était une autre science, alors une autre science, je pense que je prendrais une science qui est très proche des mathématiques, qui est la physique théorique éventuellement, puisque la frontière entre les deux est assez flou. Et il y a une branche de la physique théorique qui est essentiellement très 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 proche des mathématiques. Alors, au cours du cursus, j'ai envie de dire qu'il y a eu essentiellement deux influences, des influences pédagogiques ou au niveau de l'enseignement, donc les différents enseignants que j'ai eus en mathématiques, à la fois au lycée, où c'était plutôt des enseignants très vieille école, avec une certaine rigueur, discipline qui me convenait très bien. Ensuite, j'ai eu bien sûr, je pense que la moitié des personnes, si ce n'est bien plus, ont été fortement influencées par leur prof de prépa, pour les personnes qui sont allées en prépa. Donc effectivement, moi j'ai eu mon enseignant de prof de classe préparatoire en spé qui m'a beaucoup influencée. C'était à nouveau, c'était difficile, hein. C'est pas des années faciles, mais j'en garde un très bon souvenir. Puis après, quand je suis partie à la faculté, l'université d'Orsay, là j'ai des enseignants qui sont maintenant des collègues. Et je me souviens de certains cours, notamment de chargé de TD, qui m'ont permis de choisir mon orientation dans les mathématiques. C'est grâce à certains enseignants que j'ai décidé de faire plutôt des équations dérivées partielles et de l'analyse numérique. Là, ça a vraiment été ce choix qui s'est fait grâce aux enseignants. Donc ça, c'était plus pour la partie enseignement. Et je pense qu'il y a une autre influence aussi, c'est le contexte familial. Même si, comme je le disais, je ne suis pas du tout issue d'une famille de scientifiques ou de chercheurs. Il y a quand même une volonté d'essayer de bien faire, de se donner au maximum, de s'investir dans ce qu'on fait. Et ça, c'est mes parents qui m'ont poussé toujours à essayer de donner le maximum. Alors, comme je me suis destinée très très tard en fait à la recherche, j'avoue que jusqu'en licence maîtrise, c'était quelque chose d'assez extérieur pour moi. Enfin, je ne connaissais pas, je ne savais pas ce qu'on pouvait faire avec les maths. À part être prof de maths, je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire. J'ai eu une rencontre, mais qui a été assez tardive, hein, quand j'ai commencé ma thèse. J'ai encadré des groupes de maths engines et j'ai vu des enseignants qui s'investissaient pleinement. Et là, c'était des belles rencontres. Quand je voyais ce mélange entre les enseignants et la recherche, ça m'a touchée à ce moment-là.
Alors, les domaines de recherche, on va dire dans les mathématiques, les grandes classes, si on peut découper en gros morceaux les mathématiques, ça sera dans la famille plutôt équations dérivées partielles et analyse numérique, parce que j'ai vraiment le souci d'essayer de mélanger à la fois des aspects théoriques et des aspects numériques dans mon travail, dans mes recherches. Et si pour décrire quelque chose, quelques sujets de recherche, je peux citer par exemple tout ce qui concerne les analyses multi-échelles. Alors, qu'est-ce que c'est l'analyse multi-échelle ? Vous prenez un bloc de béton, par exemple. Ce bloc de béton n'est jamais parfaitement lisse. Il y a toujours des petits défauts dedans. Et ces petits défauts sont à une autre échelle que la taille du béton. Vous voyez, le défaut est tout petit et votre bloc de béton est immense. Donc, vous avez deux échelles qui rentrent en compétition. Et c'est ça, en fait, l'analyse multi-échelle. C'est essayer de comprendre l'influence de ces petits défauts sur le comportement du bloc de béton. Est-ce que la présence de ces multiples petits défauts vont fragiliser notre bloc de béton ? Et ça peut se voir ça sur un bloc de béton. Donc ça peut être pour des terrasses, ça peut être pour un immeuble, ça peut être pour un pont. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre en fait comment change notre solution en présence de ces défauts. Et bien sûr, essayer de corriger après, éventuellement. Alors ça, on le fait aussi de deux points de vue. Le point de vue théorique, essayer de comprendre comment se comporte notre solution avec ces micro-défauts. Et aussi d'un point de vue numérique, on essaye de développer de nouveaux algorithmes pour prendre en compte ces deux échelles. En fait, il y a des codes industriels qui permettent de faire des calculs très précis, mais en fait, si on a un tout petit défaut et qu'on y va brutalement, c'est des calculs qui vont être très, très, très coûteux. Et en fait, nous, on propose des méthodes qui d'abord traitent le domaine sans défaut, notre bloc de béton sans défaut, et après, on ajoute les contributions des défauts. Donc, on fait des calculs séparés qui sont moins coûteux. Et un autre travail, c'était d'ailleurs le sujet de ma thèse, c'était essayer de comprendre l'influence de la géométrie sur l'apparition de la supraconductivité. Alors, supraconductivité, c'est un phénomène physique, qu'ont certains matériaux. Alors pour ces matériaux, on leur applique un champ magnétique, on les maintient à température très très basse, et à ce moment-là, il n'y a aucune dissipation de courant et on peut avoir un effet de lévitation. Donc le matériau, sous l'effet du champ magnétique, décolle. C'est ce qu'on appelle l'effet Meissner. Par contre, si on applique un champ magnétique trop intense, eh bien, cette propriété disparaît complètement. Le phénomène disparaît et on voudrait essayer de comprendre quel est ce champ critique qui amène à l'apparition de ce phénomène. Et donc, en fait, il y a Ginzburg et Landau dans les années 50 qui ont proposé une modélisation mathématique de ce phénomène. Donc, en fait, mathématiquement, ça revient à calculer les minimiseurs d'une certaine fonctionnelle. Et en fait, c'est sur ce travail-là que je travaille beaucoup. Et on voudrait comprendre en fait la géométrie de notre matériau. Est-ce que le fait que notre géométrie a des coins, par exemple, est-ce que ça va influencer l'apparition de la supraconductivité ? Donc, ce qu'on a montré notamment, c'est qu'effectivement, si on avait des coins, eh bien, les premiers électrons supraconducteurs se localisaient dans ces coins, quand on abaisse le champ magnétique. Voilà. Donc ça a été une des contributions qu'on a eues, parce qu'essentiellement, l'influence des coins n'était pas trop étudiée à ce moment-là. Un dernier thème sur lequel je travaille pas mal en ce moment, c'est les partitions minimales. Alors les partitions minimales, essentiellement, vous avez une géométrie et vous essayez de la couper en plusieurs domaines et vous avez un critère à optimiser. C'est ce qu'on appelle l'optimisation. Voilà, vous imaginez que vous avez des animaux, vous devez faire, dans un zoo, vous devez délimiter un certain périmètre ou une certaine zone pour chaque animal du zoo. Et bien, il faut faire ça en optimisant le confort de chaque animal. Voilà. Donc comment on peut mettre ça dans le quotidien. Donc là, c'est sur ce travail-là. Donc nous, c'est pas le bien-être des animaux qu'on cherche, c'est d'autres critères qu'on cherche à minimiser. Et on essaie à la fois de faire ça d'un point de vue théorique et numérique, et essayer donc de découper notre domaine en plusieurs sous-domaines en fonction de certains critères. Alors l'instant Eureka, j'ai pas de souvenir précis du premier instant Eureka, mais je pense qu'on a, enfin, tout chercheur doit avoir, enfin, en tout cas je l'espère pour eux, doit avoir des dizaines de moments Eureka
En tout cas, l'euphorie, c'est quand on travaille pendant des semaines, des mois sur un sujet où on bloque complètement, on est allé dans des voies sans issue, on a fait demi-tour, on a recommencé. Et un soir, le mieux en fait, c'est quand ça arrive en fin de journée, un soir, on pense avoir trouvé. Et là en général, on se dit, bon, on arrête, on vérifiera les détails demain matin. Bon, 99% du temps, à la première minute, le lendemain matin, quand on ouvre, quand on se met à travailler, on se rend compte que le lemme qu'on pense absolument trivial est faux. Et donc, il faut recommencer. Mais cet instant-là, le moment où on a l'impression d'avoir trouvé comment faire, c'est vraiment euphorisant. Et c'est vrai qu'en fait, quand on voit le nombre de fois où on pense avoir trouvé, qu'en fait, il y avait une énorme bêtise, et c'est pas très grave du moment qu'on la voit, hein, c'est pas très grave. Ça me fait penser à la devise des Shadocks, hein, qui nous dit que plus ça rate et plus ça a de chances de marcher, en fait. Hein, c'est vraiment ce côté, il faut recommencer, il faut insister, et puis à un moment donné, ça se débloque. Mais voilà. Effectivement, il y a eu, en y repensant, il y a un moment où ça a été un joli moment, c'était sur des simulations numériques. En fait, donc on avait fait des simulations numériques, on avait un paramètre, on avait tracé nos courbes, et puis on avait fait un échantillonnage de paramètres, mais assez grossier. On voyait nos courbes qui se comportaient bien comme on voulait, qui tendaient vers notre valeur, qu'on avait montré théoriquement que ça devait tendre vers une valeur. Très bien. Puis avec une collègue, ma collègue a fait des simulations en prenant un échantillonnage beaucoup plus fin. Et puis, en prenant cet échantillonnage beaucoup plus fin, on a vu une structure d'entrelacement. Ça se faisait de la dentelle, et là, ça a vraiment été un moment très fort, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait ce phénomène, enfin, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'effet tunnel, en fait, sur certaines choses. On s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose de particulier, mais en prenant la discrétisation qu'on avait prise, donc pas assez fine, on était passé à côté. Et c'est vrai que quand on a montré ces simulations à des collègues, et ces simulations, on les a faites il y a 8 ans, et là, hier, j'ai fait un exposé ici, je les ai montrées, et ces simulations, elles ont encore un petit succès, parce que finalement, on observe ça, mais on n'a pas encore réussi à le démontrer. Ça, c'est un challenge maintenant, à réussir à démontrer pourquoi ça se comporte comme ça. Je peux citer des exemples, hein, des derniers exposés que j'ai faits, hein, puisque je pense que l'un des plus récents, c'était ici, enfin, sur le Vieux-Port, où j'ai fait un exposé pour le PIDE. Et c'était quand même un événement pour moi assez étonnant, parce que je suis assez admirative en fait sur cette initiative de doctorants qui se sont mis le challenge de venir dans un théâtre à 800 places le grand public, et le grand public a répondu présent. Et c'est vrai que pour nous, mathématiciens qui étions en bas de la salle, puisqu'on était plusieurs à faire des exposés, c'était impressionnant en fait, hein, parce que c'est assez rare de faire un exposé devant 800 personnes. Donc c'était un très beau moment. Donc là, essentiellement, c'est essayer, enfin, ce que j'avais essayé de présenter à ce moment-là, c'était essayer d'expliquer que dans notre quotidien, on utilise les mathématiques. Enfin, tout le monde n'a pas besoin d'être spécialiste en mathématiques. Mais bon, force est de constater qu'il y en a quand même dans beaucoup de choses, on les utilise. Là, l'exemple que j'avais donné, c'était le numéro de sécurité sociale. En fait, la clé du numéro de sécurité sociale, ben, c'est les propriétés mathématiques qui sont derrière. Voilà, donc là, j'avais fait ça. Je donne également des exposés. Là, j'avais fait aussi un exposé à Mathématiques Parc, qui est à destination des lycéens ou classes préparatoires et plutôt donc universitaires, pré-universitaires. J'essaye aussi, j'ai fait plusieurs années où je suis marraine du Centre Gallois à Orléans, qui est, ça me touche aussi personnellement, parce que comme je vous le disais, moi je ne connaissais pas la recherche en mathématiques jusqu'à ce que j'en fasse essentiellement, enfin je côtoie des personnes qui en faisaient. Et en fait, dans le Centre Gallois, l'idée c'est d'accueillir pendant une semaine des lycéens dont les parents ne sont pas enseignants, ne sont pas dans le système universitaire, donc des personnes qui ne connaissent pas le milieu de la recherche. Et pendant une semaine, ils ont des exposés, des cours, on les fait réfléchir à des problèmes de recherche. Et ça fait quelques années maintenant qu'Orléans organise ça, et je trouve que c'est une très belle initiative. Donc j'essaye de répondre présente quand je peux pour les soutenir. Alors, la faible présence des femmes, pour moi, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Pourquoi ? J'ai pas de réponse. Enfin, c'est vraiment difficile d'expliquer cela.
Surtout quand on voit que, enfin, si je prends les données en France, je n'ai pas les données précises, mais essentiellement en classe prépa, en terminale scientifique, c'est 50% garçons, 50% filles. On va dire à 2% près, et je me demande si ce n'est pas les filles qui sont majoritaires. Mais voilà, essentiellement, c'est moitié-moitié. Voilà. Et on passe en classe préparatoire scientifique, là, la proportion de filles tombe à entre 20 et 30%. Donc là, il y a une chute. Et pourquoi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, je ne pense pas qu'il y ait de réponse franche. J'ai eu l'occasion de faire de répondre, en fait, d'aller à Forbach, justement essayer de discuter de ces histoires de stéréotypes, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes en sciences. Et c'était assez amusant parce que j'étais confrontée avec des lycéens, donc justement ceux qui vont choisir l'année suivante d'y aller ou de ne pas y aller. Et il devait y avoir 200 lycéens, et les filles, ils disaient, mais non, on choisit, si on n'y va pas, c'est parce que ça ne nous intéresse pas, mais on n'a pas du tout de blocage, on fait comme on veut. Et c'était assez amusant de voir ça, parce que malgré tout, elles n'y vont pas, alors qu'elles pourraient, et elles ont l'impression d'être complètement libres, mais je ne sais pas à quel moment ce choix se fait d'y aller ou pas y aller. Alors ce qui est certain, c'est que visiblement, il y en a quand même beaucoup qui partent vers soit médecine, soit plutôt... Des études sur les santé. Et médecine, c'est un concours très difficile. Hein. Bon, il y en a un certain nombre qui échouent, c'est comme ça. Mais elle pourrait éventuellement retourner vers d'autres études scientifiques après, mais on ne les retrouve pas. Même 2 ans après bac, on ne les retrouve plus. Donc je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas là. Moi, je me suis toujours bien sentie, en fait, dans un milieu masculin. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Voilà. En fait, je pense que ça me dérange. Oui, ça ne me dérange pas. Je pense que du collège jusqu'au lycée, je pense que j'étais beaucoup plus souvent avec les garçons qu'avec les filles. Donc, ça ne m'a jamais posé de difficultés. Alors, le conseil, déjà, je pense qu'il ne faut pas se censurer. Enfin, il ne faut pas se dire, c'est pas pour moi, je ne vais pas y arriver. Il n'y a aucune raison à cela. Enfin, si on aime les mathématiques, pourquoi pas. Enfin, il faut tenter sa chance. Voilà, en donnant le maximum de soi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et puis après, ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. Il y a d'autres façons. Je pense que le conseil pour moi, c'est essayer de toujours. Si on n'est pas décidé vraiment sur ce qu'on veut faire, ou si on pense savoir ce qu'on veut faire, mais qu'on veut se laisser une petite marge, il faut toujours essayer de choisir les voies les plus larges le plus longtemps possible. Et puis après, on voit si ça nous plaît ou pas. Il faut vraiment, vraiment essayer d'y aller. Et puis, je pense aussi, en fait, nous, mathématiciennes, c'est aussi peut-être un peu devenu notre responsabilité d'aller à la rencontre des jeunes et se dire, vous voyez, on est là, on y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Enfin, c'est vrai que pour ça, moi, quand on me sollicite, c'était pas tout tracé pour moi de faire de la recherche en mathématiques. Comme je l'ai dit, je suis pas du tout ici. Enfin, je connaissais pas du tout ce milieu. Je me suis pas sentie exclue de ce milieu. En fait, je suis une directrice adjointe scientifique à l'INSMI en charge de la politique de site. Alors, la politique de site dans les instituts, elle se fait essentiellement à deux niveaux. Donc, comme je suis à l'INSMI, donc l'Institut des mathématiques et de l'interaction. Mon rôle, c'est à la fois d'essayer de voir comment se placent les mathématiques dans les sites. Alors, on a des fonctionnements assez différents, puisque les mathématiques, ça a une habitude de fonctionner en réseau au niveau national, alors que les sites, c'est quelque chose de beaucoup plus localisé sur le territoire. Donc, quand je suis arrivée à l'INSMI, le directeur de l'Institut, Christophe Sorger, m'avait demandé justement d'essayer de voir si les deux pouvaient fonctionner et comment ça fonctionnait, et voir la présence des mathématiques dans les sites, s'assurer qu'on y trouvait notre place, en fait, aussi au niveau des sites. Donc ça, c'est au niveau de l'Institut. Et en fait, on a aussi un rôle au niveau du CNRS. Le CNRS est présent au niveau des sites. Et donc, il est présent au niveau des sites à travers des directeurs scientifiques référents et des adjoints. Et donc, on représente dans les sites. Donc, à cet effet, je suis adjoint sur 3-4 sites, en fait, sur l'ensemble de la France. Donc, notre rôle, c'est de représenter le CNRS à ce niveau-là et puis d'être sûr que la politique qui se fait sur le site est cohérente avec ce qu'on essaye de mener au niveau du CNRS.
Et au niveau de l'INSMI, je m'occupe aussi des relations avec certains partenaires, notamment avec INRIA, qui est un des partenaires avec lesquels on a beaucoup d'échanges à travers nos laboratoires. Beaucoup de laboratoires ont des équipes projets communes et donc on essaye de travailler de concert. Le CIAN, c'est vraiment un lieu de rencontre mathématique qui est fondamental pour nous mathématiciens. Alors, moi personnellement, j'y viens très régulièrement. J'ai eu l'occasion d'y venir à différents niveaux, j'ai envie de dire, à la fois pour des conférences de taille variable. Donc là, c'est toujours un plaisir parce qu'en général, il y a des chercheurs de grands talents qui viennent et les écouter, apprendre, s'enrichir, c'est toujours important. Et j'ai aussi l'occasion de venir pour des recherches en petits groupes. Donc on est venu passer une semaine, on était 3-4, et c'était vraiment fantastique. Parce que pendant une semaine, juste concentré sur sa recherche, en laissant tout ce qu'il y a à côté, travail, famille, tout ça, en le laissant chez soi, et ben, on avait vraiment bien avancé. Et on avait eu des idées qui ont marché ou qui n'ont pas marché, hein, mais qui nous ont vraiment inspirés pendant très longtemps. Et donc là, c'est vrai qu'on est en train de réfléchir à essayer de redéposer une demande pour essayer de faire à nouveau un travail en petit groupe, parce que c'est vraiment un très bon cadre pour ça. Le CIAN, c'est un des outils en fait, qui permet le transfert des connaissances et la diffusion des connaissances à travers la communauté, mais aussi un rayonnement au niveau international. Et en ce sens, c'est vraiment important de le soutenir, de le maintenir. Et ça permet de maintenir l'attractivité en fait, des mathématiques françaises, l'attractivité de la France au niveau, et de maintenir les mathématiques françaises au niveau en tant que leader mondial. En fait. C'est vraiment la France est leader mondial pour les mathématiques.